La question d'aujourd'hui, est-ce que ce que je fais est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faisable? C'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir situer dans un contexte bien précis et qui va permettre justement de pouvoir dire avec certitude, ce que je fais là, c'est vraiment un sujet qui est pertinent, qui mérite d'être fait, ou alors ce que je fais, c'est pas vraiment ça que je dois faire normalement. N'est-ce pas? Et justement, on va parcourir les différents points aujourd'hui. On va voir les différents éléments qui vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai d'abord formulé ici, est-ce que ma thèse est intéressante? Est-ce que ma thèse est faisable? N'est-ce pas? OK. Et les éléments qu'on va voir, il y a deux présentations globalement. La première, c'est sur comment on évalue la qualité d'un travail de recherche. Comment on fait pour dire à la fin que ça, c'est un travail qui est bon, qui est pertinent, qui est intéressant, n'est-ce pas? Et on verra après maintenant quels sont les éléments qu'il faut considérer pour qu'à la fin, le travail qu'on fait remplisse ces critères-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que malheureusement, comme je l'explique souvent, la plupart des thèses qu'on fait ne sont pas publiées à la fin. Surtout à l'école de médecine, n'est-ce pas? La plupart de ce qu'on fait, ça va rester à la bibliothèque, bon, pour que quelqu'un vienne lire un autre jour. Alors qu'en principe, l'orientation, la destination finale d'un travail de thèse devrait être de le rendre public par un article scientifique que les autres pourront lire et qui vont pouvoir modifier la pratique qu'on fait chaque jour, n'est-ce pas? Et très souvent, quand je demande aux étudiants qui souhaitent que son travail soit publié, même toi, tu veux que ta page soit publiée, non. En général, tout le monde, non, vraiment, il faut que le travail que je vais faire là, qu'à la fin, on puisse le publier. Mais pour cela, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération. Donc, la première chose, c'est de se demander pourquoi c'est important de parler de la qualité d'un travail de recherche. La première raison, c'est que quand on regarde ce graphique, ce qu'on va appeler les décisions basées sur les preuves, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle encore la médecine factuelle, on va voir que la recherche, c'est un élément central dans la prise de décision en santé. C'est-à-dire que pour faire ce qu'on appelle les décisions éclairées dans le domaine de la santé, que ce soit en médecine générale, pharmacie, médecine bucco-dentaire, on va considérer les résultats d'un travail de recherche, n'est-ce pas? Donc, ça fait que c'est un élément central. Et donc, ce qui parfois, lorsqu'on est étudiant, on prend ça juste comme un exercice, comme quelque chose qu'on fait en passant, à la fin peut s'avérer quelque chose de déterminant. Je prends un exemple. Une fois, on faisait un travail, il fallait répondre à une sollicitation d'une direction du ministère de la Santé et on avait besoin des informations sur la fréquence de la diarrhée dans la ville de Douala. Tout le monde suppose que, vu qu'il y a certains quartiers qui sont vraiment dans la promiscuité, avec mauvais accès à l'eau, probablement, on devrait avoir beaucoup de diarrhée, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on puisse avoir un travail de recherche qui montre qu'effectivement, il y a beaucoup de diarrhée. Je prends même le cas dont tu parles tout à l'heure. Si on dit la santé mentale chez les adolescents, a priori, on a l'impression que c'est quelque chose d'important, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Mais pour que ça oriente une décision de santé publique, il faut qu'on ait un travail de recherche qui est fait là-dessus. On est d'accord, non? Et il faudrait par conséquent que ce travail soit un travail de bonne qualité. Parce que si la qualité n'est pas bonne, évidemment, on ne pourra pas avoir quelque chose d'intéressant. L'autre chose, c'est que pour qu'un travail soit publié, il doit être de bonne qualité. Surtout quand c'est un journal qui est sérieux. Donc, la qualité d'un travail de recherche, c'est un critère de publication. Et je crois que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la plupart des thèses ne sont pas publiées parce que la qualité au fond n'est pas bonne, n'est-ce pas? Et il faut savoir que
On peut même retirer un article après la publication si on se rend compte que dans la méthode qui a été utilisée, il y a des soucis. Pour le cas de la COVID, on a eu plusieurs articles qui étaient publiés. Mais après, on se rend compte que, tiens, la qualité du travail qui était faite est un peu douteuse quelque part. Et oui, il y a des articles qu'on a retirés, n'est-ce pas? Et j'imagine qu'à un moment donné, même pour l'été, il y a certaines thèses que quelqu'un va soutenir. Après quelques années, on va leur rappeler que non, la thèse que tu avais soutenue là, quand on évalue encore la qualité, on se rend compte qu'il y a un souci. Et à ce moment, on pourra peut-être retirer certaines thèses qui sont déjà soutenues. Donc, c'est vraiment important de s'intéresser à la qualité du travail de recherche qu'on fait. Et si on regarde à ce qui existe aujourd'hui, on va voir que 85% des travaux de recherche publiés et financés sont un gaspillage de ressources. Là, on ne parle même pas des thèses des étudiants, hein. Je parle des travaux, ça c'est un article qui est publié, ce n'est pas moi qui le dis, qui dit 85% des travaux de recherche qui sont financés sont un gaspillage de ressources. Soit parce que la question de recherche n'est pas bonne, soit parce que le type d'études qu'on fait n'est pas bonne, soit parce que la mise en œuvre n'est pas correcte, ou alors on a mal rapporté les résultats du travail de recherche qui est fait. Donc, il y a à peine 15% des travaux de recherche financés qui sont faits selon les règles de la recherche. Donc, ils sont de bonne qualité, n'est-ce pas? Et j'imagine que pour les thèses, peut-être qu'on est même seulement à 5% ou à 3%. Des travaux qui sont faits selon les règles de ce qui doit être fait. Et l'autre chose, ça c'est un tableau dans un autre article qui décrit un peu selon certains critères de qualité d'un travail de recherche, ce qui existe et à quel point est-ce que c'est bien fait ou à quel point est-ce que c'est mal fait. Je prends par exemple, est-ce qu'il y a un problème à la base? Ça, c'est pour les grands journaux, dans les journaux de renom. Et ici, c'est pour les journaux pris dans l'ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble des travaux de recherche. On voit que la minorité des travaux de recherche sont basés sur un problème. Parce que quand même minorité là, ils ont expliqué en bas, minorité, ça veut dire on a entre 20 et 50%. Donc, moins de la moitié des travaux de recherche que les gens font sont basés sur un problème réel. Est-ce qu'on se comprend là? Si je prends notre critère qui devrait être important, le gain d'informations qu'on a, donc que la recherche a apporté quelque chose, n'est-ce pas? On voit que ici c'est quelque chose qui est rare. Donc, moins de 1%, rare, moins d'1% des travaux de recherche que les gens font apportent une information nouvelle. Et là, on parle de la recherche même de manière globale. J'imagine que si on prend le cas des étudiants, ce sera encore plus catastrophique, n'est-ce pas? Si on prend par exemple aussi le cas de la transparence, c'est-à-dire la façon de rapporter le résultat de manière à ce qu'on puisse comprendre ce qui a été fait, qu'on puisse suivre ce qui a été fait, on va voir que ici c'est quelque chose qui est également à moins de 1%, donc qui est dans la catégorie rare. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui montrent qu'effectivement, la façon dont la recherche est faite, la qualité n'y est pas pour la plupart des situations. Et si on prend le cas des étudiants, encore une fois, la situation risque d'être vraiment plus catastrophique. Et même pour le cas des revues systématiques, ce qu'on appelle les revues systématiques, ce sont des travaux de recherche qui ont la particularité d'être la synthèse d'un plus grand nombre de travaux de recherche, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle des revues systématiques, et qui est considéré un peu comme l'élément qu'on utilise souvent vraiment pour prendre les décisions de santé. Ça veut dire quoi? On va prendre un groupe d'études, si peut-être on veut savoir, ok, quels sont les déterminants de la santé mentale chez les adolescents en Afrique en général? On va prendre les études qu'on a faites au Sénégal, au Gabon, en Égypte, au Cameroun, et ainsi de suite, et compiler tout ça pour faire une synthèse qu'on va appeler donc une revue systématique, n'est-ce pas? Et une étude a montré que seulement 3% des revues systématiques
ont un intérêt ou sont bien conduites d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue clinique. C'est-à-dire que la plupart des revues systématiques qu'on fait, ce n'est même pas pertinent sur la méthode ni sur l'intérêt clinique de ce travail qui est en train d'être fait. On se comprend, non? Et la petite histoire, c'est que il y a quelqu'un qui, à un moment donné, avait essayé de dire, OK, il veut étudier le devenir des travaux de recherche qu'on fait dans les facultés de médecine au Cameroun. Donc, lui voulait savoir, si je prends sur 10 ans, ceux qui ont fait la thèse là, combien ont été publiés, dans quel type de journal, ainsi de suite, ainsi de suite. Il voulait faire ça comme ça, pas les thèses pour sortir, n'est-ce pas? Il a déposé son protocole. Mais en janvier, on l'a appelé pour lui dire que non, il faut qu'il arrête ce travail-là. Bon, tu imagines pourquoi? Voilà, parce que les uns et les autres n'avaient pas envie qu'on sache qu'est-ce que ces travaux de recherche deviennent. Parce qu'on se rend compte à la fin que, mais tiens, sur près de, je sais pas, 500 thèses qui sont soutenues au Cameroun chaque année, il y a 20 qui sont publiées. On m'a dit, mais attends, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe derrière, n'est-ce pas? Et ça, comme je le dis, c'est vraiment un problème de la qualité du travail de recherche qui est fait. Donc, pour dire qu'une thèse est intéressante, que mon travail est intéressant, il y a certains critères qu'il faut pouvoir respecter. Et c'est ça la question. Finalement, lorsqu'on parle donc de la qualité, il s'agit de quoi, n'est-ce pas? OK. Il y a ce graphique qui résume un peu les éléments qu'on doit retrouver lorsqu'on parle de la qualité d'un travail de recherche. Globalement, il y a le fait que le travail doit être crédible. C'est-à-dire qu'il faut que le résultat que tu rends, on puisse croire en ce résultat-là. Il faudrait que, si on regarde comment est-ce que ça a été fait, la méthode qui a été utilisée, que ce soit quelque chose qui permet qu'on puisse avoir confiance en cette méthode, n'est-ce pas? Il faudrait que le travail que tu es en train de faire puisse apporter quelque chose. Ça doit avoir une contribution dans le contexte où le travail en question est fait, n'est-ce pas? Également, il faudrait que la façon dont les résultats sont rendus, la communication soit bonne et que ça respecte les principes de la recherche, les principes de l'éthique, les principes de l'administration. On va revoir ces différents éléments en détail les uns après les autres, n'est-ce pas? Donc, le premier élément pour parler de la qualité, c'est la validité interne. C'est-à-dire qu'il faudrait que la méthode scientifique qu'on a utilisée soit adaptée à la question de recherche qui est posée, soit adaptée au contexte dans lequel on est en train de travailler. Je prends un exemple. Si quelqu'un veut évaluer l'effet, par exemple, des associations d'étudiants sur la santé mentale des jeunes, n'est-ce pas? Il veut savoir, est-ce que lorsqu'on a une association dans une école, lorsqu'on crée des associations, ça permet d'améliorer la santé mentale des jeunes? Ça, c'est une question qu'il pose, n'est-ce pas? Si pour faire cette étude, par exemple, il décide de faire une étude de cas témoins, il y a de fortes chances que le résultat qu'il va obtenir n'ait pas une bonne validité interne. Parce que le type d'étude qu'il choisit ne correspond pas à la question qu'il est en train de poser. N'est-ce pas? Ou je prends un cas plus simple, dans la méthode qui est utilisée. Si quelqu'un veut connaître la prévalence du paludisme, et il décide de diagnostiquer le paludisme sur la base de la fièvre. Donc, il dit, si quelqu'un a une température supérieure à 38, par exemple, je considère que c'est le palud. Il est clair que d'un point de vue scientifique, sa méthode n'est pas exactement ça, n'est-ce pas? Donc, on va dire la validité interne même de son travail n'est pas bonne. Et donc, dans ce cas, il est clair que ça affecte la qualité du travail de recherche qui est fait, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il y ait une bonne méthode scientifique en rapport avec la question qui est posée et même en rapport avec le contexte. OK. Si quelqu'un veut faire une étude sur le diabète au Cameroun en ce moment,
Il est préférable d'utiliser les meilleurs moyens de diagnostic du diabète qui existent au Cameroun. Par exemple, qu'il utilise l'hémoglobine glycée ou qu'il utilise une glycémie à jeûne bien faite, mais on devrait pouvoir se baser sur ce qu'il y a de mieux sur le plan scientifique, n'est-ce pas? L'autre critère, c'est la fiabilité. Ça veut dire, la méthode que j'ai utilisée, je dois pouvoir la décrire de manière reproductible. Il faudrait que la façon dont tu vas faire la recherche, la façon dont tu vas collecter les données, recruter les participants, analyser, etc., que ce soit fait de telle sorte que quelqu'un d'autre peut reproduire exactement la même chose que ce que tu as fait. Parce que tu auras décrit de manière à ce que ce soit reproductible. Également, les recherches doivent être contextualisées. Il faudrait que pendant que je fais un travail de recherche, que je le situe dans le contexte de ce qui est déjà connu, de ce qu'on a déjà eu à faire par rapport à ce sujet-là, n'est-ce pas? Si on prend le cas de la santé mentale des adolescents, là, il faudrait que pendant que tu inities le projet, que ça puisse considérer les autres études qui sont déjà faites par rapport à cette question-là, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ça qui va rentrer dans la qualité d'un travail de recherche. L'autre chose qui est importante ici, c'est la transparence. La transparence. La façon dont je rapporte les résultats doit être de manière à ce que je ne cache rien. Et c'est pour ça que, par exemple, si on prend le cas des essais cliniques, on va exiger qu'avant qu'un essai clinique ne soit mené, il faut que ce soit enregistré dans ce qu'on appelle des registres d'essais cliniques. Donc, si je veux faire un essai clinique, on va me dire, avant de commencer, dis-nous quelles sont les personnes que tu vas recruter, quel est le traitement que tu vas leur donner, quel est le critère que tu vas utiliser pour évaluer. Tu vas évaluer après combien de temps? De manière à ce qu'à la fin, lorsque je vais venir présenter mon résultat, on sait déjà exactement tous les éléments qui rentrent dans la méthodologie, n'est-ce pas? Mais ce qu'on va souvent voir pour certains articles, surtout quand ce n'est pas des essais cliniques, c'est que quelqu'un va faire l'étude pour dire « Je veux connaître les facteurs associés à la santé mentale des adolescents. » Je me faisais se rendre compte que, tiens, il y a même plutôt beaucoup de grossesses précoces chez les adolescents. Directement, son étude devient plutôt « Facteurs associés aux grossesses précoces chez les adolescents. » Ça fait que ce pourquoi il est parti, il revient avec complètement autre chose, sans qu'on ne puisse comprendre ce qui s'est passé sur le chemin pour qu'il y ait ce changement-là, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment important d'être transparent, de présenter ce qu'on a fait de manière traçable et de manière à ce qu'on puisse reproduire. L'autre élément de la qualité, c'est l'originalité. Apporter une nouvelle information. Une étude qui n'a rien de nouveau, c'est un gâchis, c'est un temps qu'on perd. C'est ça qui rentre dans les 85% d'études où on dit c'est un gaspillage de ressources parce que ça n'apporte aucune information nouvelle. Est-ce qu'on se comprend là? Très bien. Donc, il faut qu'il y ait un caractère nouveau. On reviendra dessus tout à l'heure dans le cadre logique qu'on appelle finer. Également, l'autre chose qui est dans la qualité, c'est la pertinence ou l'intérêt qu'on a pour le sujet. Est-ce que la question que je pose est intéressante pour la cible? On reverra ça tout à l'heure aussi. Et le caractère généralisable. L'étude que je fais ne doit pas avoir des résultats qu'on peut appliquer uniquement dans l'hôpital où j'ai fait ça. Ma façon de faire doit permettre qu'on puisse étendre ça dans d'autres contextes et que ça reste logique et vrai. Et les derniers éléments, c'est la communication. Il faudrait que je puisse présenter de manière claire que ça respecte les principes éthiques, que ça respecte la réglementation qui est en vigueur. Et donc, il y a certains groupes de chercheurs qui ont rassemblé toutes ces informations, tous ces critères-là, dans des éléments qui vont permettre d'évaluer la qualité de ce qu'on a fait. Il y a par exemple GRADE, Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation. Donc, c'est un groupe de travail qui permet en fait d'évaluer la qualité d'un travail de recherche. C'est un score qui est souvent utilisé surtout pour les essais cliniques ou pour les études observationnelles aussi, pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de biais, est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs méthodologiques dans le travail qui est fait et pour pouvoir classer comme c'est montré sur l'échelle ici à la fin,
en termes de qualité du travail de recherche, est-ce que c'est de très faible qualité, de faible, de moyenne ou de bonne qualité? La confiance qu'on peut avoir dans les résultats du travail de recherche qui est fait, n'est-ce pas? Et on a également ce qu'on appelle des checklists. Il y en a plusieurs sur ce site www.equatornet.org. On a beaucoup de checklists pour les différents types d'études qui vont permettre justement d'évaluer la qualité de ces différents travaux de recherche-là. On aura une checklist, par exemple, ce qu'on appelle la stroke checklist. Je crois que c'est ça qui est là par la suite, qui va reporter les différents éléments qui entrent dans la qualité d'un travail de recherche. Ça, c'est pour les études observationnelles. Vous savez que si toi-même, tu prends ton travail que tu as fait, tu veux savoir si c'est de bonne qualité, tu peux prendre la checklist et vérifier les différents critères qui sont présentés là. Est-ce que j'ai respecté tel critère? Est-ce que ma population est représentative? Est-ce que mon échantillon est représentatif de la population? Est-ce que ma taille de l'échantillon est suffisante? Est-ce que le type d'étude correspond? Ça, c'est l'ensemble des questions qu'on va retrouver sur cette checklist, n'est-ce pas? Et qui va permettre donc à la fin d'évaluer soi-même si le travail qu'on a fait ou qu'on est en train de faire respecte les principes. Si c'est un travail qui a une bonne validité interne. Et la plupart des journaux, de plus en plus, avant d'accepter de publier un article, vont exiger la checklist de la qualité du travail. Et donc, tu vois que si je fais un travail qui ne respecte pas ces principes-là, au moment où il faudra publier mon travail, quand je vais prendre la checklist, je vais seulement cocher non partout. Est-ce que tu as fait ceci? Non. Est-ce qu'il y a ceci? Non, non, non. À la fin, j'aurai un travail qui n'est pas de bonne qualité, n'est-ce pas? Et donc, qui n'est pas intéressant à rendre public. Donc, ça, ce sont les éléments de cette checklist-là qu'il faut pouvoir vérifier. Pendant là, tu vois, à la fin, il y a le caractère généralisable. Il faut pouvoir décrire en quoi est-ce que mon résultat est généralisable. Il y a des façons, donc, des approches méthodologiques qui permettent d'évaluer cela. Et donc, la question qui va se poser, est-ce que faire une thèse de bonne qualité, c'est un mythe ou c'est une réalité ?